Salut les amis, c'est Bébert. Donc aujourd'hui, on est chez Triomphe Chalon. Voilà, donc chez British Avenue. Voilà, pour l'achat de mon poteau Bidouchon San. Donc, vous l'aurez compris, achat d'une nouvelle moto à la concession British Avenue. Et donc, cette moto, c'est la moto de Bidouchon. Bidouchon, vous l'aurez reconnu. Voilà, c'est Patrick. Donc le compère de Balan, donc qu'on se connaît depuis déjà pas mal de temps. Et donc comme c'est Noël aujourd'hui, voilà, c'est le grand jour chez Triomphe British Avenue Chalon. Voilà, on a décidé de faire une petite présentation de sa moto. Donc voilà la jolie Triomphe Speed Twin. Donc c'était la remplaçante de la Street Twin. Et ici on a le 1200 High Put de chez Triomphe. Donc Triomphe British Avenue, où là j'ai acheté aussi la Trident. Et on va aujourd'hui officialiser l'achat de ta moto. Donc tu voulais faire un petit baptême. Voilà, rigolo, hein, le baptême. Donc histoire de baptiser un petit peu, de fêter, de marquer le coup, en fait, puisque c'est un cadeau que tu t'es fait. Une moto, ça s'arrose. Une moto, ça s'arrose. Bon, moi j'ai pas arrosé la mienne, c'est vrai, j'ai oublié. C'est pas bête. Et puis on est avec Pierre aussi. Donc Pierre, oui. c'est le vendeur, on va dire, c'est le commercial de chez Triomphe. J'ai rien vendu, les gars, vous avez tout acheté. On l'a tout acheté, voilà, on a toute l'équipe de Triomphe British Avenue qui est venue pour faire un petit hommage, on va dire, à la moto de Patrick. Voilà, pour officialiser la chose. Donc Patrick, on te laisse le mot de la fin ou le mot du début. On te laisse officier. De la Légion d'honneur. Voilà. Le moment est solennel. Et mieux vaut lever le coude que baisser les bras, non? C'est pas ça. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voulez demander de nous approcher? Eh bien, chers frères, notre Seigneur, en ce jour d'hiver, vint à la concession British Avenue voir son ami Pierre. Entrant dans les shops, il dit que c'était beau et cela lui plut. Il fit le tour des machines et dit « Celle-ci sera pour Patrick ». Et Pierre lui répondit « Qu'il en soit ainsi ». C'est pourquoi aujourd'hui nous allons baptiser cette moto. Elle va faire partie de la communauté des motards. Et par ce geste, je vais baptiser cette moto que nous allons appeler Mandarine, du fait de sa couleur orange. Je te baptise. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. And by Her Majesty the Queen. I name this ship Queen Elizabeth. May God bless her and all who sail in her. Donc Mandarine est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ton verre. Voilà les amis, vous l'aurez compris, on a baptisé la moto, voilà, avec un petit verre pour fêter ça. Je tremble. C'est le froid. C'est l'émotion. Ouais, c'est le froid aussi. Ou la peur du pneu neuf. La peur du pneu neuf, ouais, c'est possible. Hop, moi ça mousse. Hein. C'est normal. C'est pas du super champagne. Puis on est bien en plastique. Et coca. Voilà. Eh ben, merci. À la santé, ben, Mandarine. À la santé, Mandarine. Voilà, donc Mandarine est baptisée, impeccable. Et à la vôtre. Les voilà, gars. Sous les augures de British Avenue. Voilà, en vous souhaitant de bons kilomètres, qu'elle fasse de belles routes sur nos routes de Bourgogne et puis peut-être même ailleurs. Hein. Ah bah oui, on verra. On verra, on verra. Ouais. Alors, satisfait Patrick de ton cadeau de Noël? Je te dis, satisfait du cadeau, mais je te dirai si je suis satisfait quand je l'aurai fait rouler. Ah bah là, il y a le rodage à faire. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Hein. Ouais, je pense pas non plus. Ouais. Allez, je te suis. Voilà, premier tour de roue. On va mettre la visière teintée là parce que on a un soleil, les amis. Waouh. Ah voilà, et puis surtout l'hiver, voilà, on a quand même encore de belles journées, donc il faut en profiter.
Voilà donc les premiers tours de roue de Bidouchon avec sa moto là, voilà. Donc faut qu'il enlève la petite couche de paraffine qui va bien. Donc voilà, British Avenue a encore fait un homme heureux, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, une nouvelle moto. C'est toujours quelque chose dans la vie d'un motard, je pense. C'est un nouveau challenge. Voilà, une nouvelle découverte, on va dire. Donc elle est super jolie. Moi, j'aime bien ce style un peu néo-rétro, classique. Ça va ? Trouve pas le point mort ? Ah ouais, effectivement. Ah bah ça, ça c'est la précipitation, tu vois. Ouais, bah, trop pressé. C'est normal hein, en même temps. Hein. Putain, ça a failli cartonner. Wow. Ah, l'autre il a mordu le virage. C'est un truc de malade. Hein. Tu vois, même on se croit en sécurité, on est dans la campagne. Ah, ça a failli cartonner devant. Ah, le titre putaclic quoi. Je viens chercher ma moto, il y a un accident quoi. Eh ben, t'es trop beau dessus, franchement. Va falloir changer de casque, va falloir mettre un casque orange. Ouais, j'ai prévu. Hein? T'as prévu? Ah ouais. Par contre, il fait un sacré froid de canard. De toute façon, ça doit s'entendre à la voix là, mais voilà pour vous montrer les premiers tours de roue, voilà de la moto de Bidouchon quand même. Magnifique avec son éclairage LED là. Donc c'est super sympa à Patrick hein, de m'avoir fait partager ce moment. Voilà, l'achat de sa nouvelle moto, c'est toujours quelque chose d'avoir une nouvelle moto avec soi. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, hein. Voilà, vraiment clipsé, hein, parce que ouf, il fait pas chaud, mais pas chaud du tout. Mais bon, voilà, on a une température entre... voilà, donc ça varie entre moins 3. Ce matin, j'avais moins 8. Ah, je peux vous dire que ça pinçait, là, ça va un peu mieux, là. Voilà, avec magnifique feuillage narcissant. Des chaînes pédonculées. Donc, narcissant, hein, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, narcissant, voilà. Ça veut dire qu'il garde ses feuilles en hiver. Donc, je mettrai ça à la fin de la vidéo, si vous avez regardé jusqu'au bout. Je vous mettrai en commentaire ce mot-là, narcissant. Donc je vous donne l'explication. Voilà, feuillage narcissant, ça veut dire que c'est des feuillus qui gardent ses feuilles en hiver. Voilà, comme la charmille, le chêne pédonculé, voilà, toutes ces espèces d'arbres qui font la forêt primaire en France. Allez, nous fait un petit quiz, là, Patrick. Allez, double-moi. Voilà, magnifique. Et je trouve que pour un pot d'origine, elle fait un super bruit. Hein. Vraiment. Voilà, on a un super temps d'hiver, un bon froid sec. Voilà, prendre la moto en hiver, voilà, suffit de s'équiper, un bon froid sec et vous risquez rien du tout. En plus là, il y a plus, il y a 2-3 jours en arrière, donc là ça a lavé le sel, il n'y a plus de sel sur la route. C'est vraiment un plaisir. Voilà les amis, donc sur ce, on va se laisser sur ces belles images de Bourgogne. Ah, on part en direction de Buxy, ah, Grand Cru de Bourgogne, on va se laisser là-bas avec l'ami Patrick. J'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Moi je la fais pas pour moi cette vidéo, je la fais vraiment pour Patrick. Donc voilà Patrick. Quand tu verras la vidéo, cette vidéo elle est pour toi mon poteau. Donc je te fais un gros B.
Tu découvriras la vidéo, ça c'est une surprise. Je vous souhaite à tous des excellentes fêtes, une bonne année, une bonne santé à tous. En espérant que 2022 soit encore meilleur que 2023. Voilà les amis. En attendant, prenez soin de vous, faites de la moto, kiffez votre vie et profitez de chaque instant. Voilà, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et honnêtement, profitez. Voilà, je n'aurai que mot, profitez. Voilà, même s'il fait froid, regardez comme on est bien ici. Voilà, avec l'ami Patrick. Voilà, regardez cette magnifique triomphe. Regardez comme c'est beau. Vraiment chouette. Très très belle moto. Ah là, il kiffe. Hein. Il nous fait signe là. Il a le smile. Et on arrive dans les vignes. Allez, sur ce les amis, je vous fais un gros V. C'était Bébert. Passez d'excellentes fêtes. Voilà. Bonne année à tous. Bonne santé. Je vous kiffe. Regardez-moi ce magnifique soleil. Je vous offre le soleil d'hiver de la Bourgogne. Voilà. En toute tranquillité. Comme quoi, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'air souillé pour prendre. Voilà. Une claque visuelle. Regardez ça. C'est magnifique. Des vignes à perte de vue. Magnifique, les amis. Voilà les amis, merci. Bon, sur ce, on va se laisser, je vous fais un gros V à tous, à bientôt, c'était Bébert, bon, présentation de la vidéo de Patrick, voilà, à la concession British Triumph, voilà, Triumph British Avenue, Chalon, voilà, donc avec un accueil super sympa, avec plein de beaux jouets à l'intérieur, comme je dis, voilà, donc Patrick, voilà, on fête dignement ça, voilà. Donc, je vous refais visiter un petit peu l'intérieur, hein, voilà. Le magasin de jouets de Chalon-sur-Saône, voilà, avec plein de beaux jouets à l'intérieur, comme d'hab. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous fais un gros V à tous. Voilà, vidéo un peu spéciale, voilà, pour rendre hommage à Patrick, voilà, parce qu'il le mérite, et puis, voilà, puis il méritait aussi sa moto. Donc petite vidéo voilà de présentation de la Triumph Speed Twin 1200 High Torque. Allez, gros V à tous, ciao, c'était Bébert.